va essayer d'aller en backstage défier Kev Adams. Parce qu'il fait trop le malin, lui. Avec Kev Adams, il fait trop le malin. Tu veux faire du freestyle? Allez, viens. Non, le gars est chaud. Moi, sans prendre de petits coups. Il suffit de rester comme ça. Oh là là. S'il gagne ce challenge, il gagne la vidéo. T'es chaud? Aïe. Oh my god, j'ai plus de cheveux. Salut les youtubeurs, c'est Coachian, ça va ou quoi? Eh oui, on se retrouve aujourd'hui à Dubaï pour une vidéo sur la chaîne Coachian. J'ai décidé que j'allais mettre au test tous les Français ou francophones qui allaient venir à Dubaï, qui étaient un peu artistes, footballeurs, peu importe, qu'ils habitent à Dubaï ou qui passent en vacances à Dubaï. Donc en fait, je vais vous expliquer l'histoire de ce qui s'est passé hier. J'étais dans un hôtel en train de faire un pana contre un mec pour essayer de gratter sa Lamborghini. Bien sûr, j'ai aimé le panan pas trop longtemps. Du coup, j'ai eu le droit de faire un tour dans sa Lamborghini. Bon, pas aussi bien que je voulais. J'étais pas conducteur, j'étais juste sur le côté. On est parti dans le désert et on a fait un petit tour de chameau. Sur le chameau, je me suis dit, vas-y, on va se faire une petite vidéo Instagram. Je vais faire un petit peu de jonglage. Et quand je fais le jonglage, je me rends compte que je suis avec Mr. Kev Adams. Boum, Kev Adams, il me filme comme ça en train de faire du jonglage. Les amis, si c'est le freestyle, sachez qu'il freestyle même sur un chameau, rien à foutre. Il est pas content. Attends, ça repart instant. Ok, magnifique. Du coup, on connecte, on se fait des petits skills. Attends, il y a un toucher pied droit, mais vraiment, il est très léger. Vas-y. Pas mal. Oh là là. Ça part. Celui qui fait tomber le ballon, on le cafoue tous. Bon, YouTube, bon, ça va après avoir échangé quelques ballons avec Kev Adams et fait quelques petits 1 contre 1 avec ses amis. Il est là. Il m'invite à son spectacle qui a lieu le lendemain et je décide de débarquer avec ma Urban Ball pour le défier juste avant. Va-t-il relever le défi? On va voir ça. Bon, on arrive au spectacle. J'ai vu, il a fait sa répète, je pouvais pas vous filmer. Tous les gens là sont rentrés, donc du coup, je vais aller dans l'espace un peu VIP et on va essayer de s'incruster derrière en backstage juste avant son show pour faire un challenge. Alors, le mec est chaud, il m'humilie, il va m'humilier 10 minutes avant son show, il est chaud. Ça va mon pote, tranquille? Ouais. Lui aussi c'est un freestyler à ce qui paraît. C'est pas calculé le mec. Allez c'est parti. Pour les cas voilà, là on est installé là avec les acolytes, on est installé aux places tranquille. Là ça va être la première partie, tu vois le rideau il est fermé, c'est la première partie. Le but du jeu, je vais en prendre un ou deux avec moi. Et on va essayer d'aller en backstage défier Kev Adams. Parce qu'il fait trop le malin lui, avec Kev Adams, il fait trop le malin frérot. Il est chaud mais t'inquiète pas, j'arrive pour toi. Non parce qu'hier il me charrie au dromadaire, il est fou. On va aller dans la loge de Mr. Kev et on va aller tester un challenge. On va voir s'il est prêt. Et c'est juste avant son spectacle, ça veut dire dans même pas 10 minutes. Ou 15 minutes, le mec il va jouer son spectacle. Mais normal, il m'a dit moi je relève n'importe quel challenge. Non le gars est chaud. Le gars est chaud, il a aucun problème. Allez viens, on va jouer au ballon. 10 minutes avant ton spectacle tu veux faire du freestyle. Allez viens. Bon allez tu penses. Voilà. Kev Adams il va devoir relever 3 challenges. Les amis, c'est important de dire une chose. Je suis très très fan de ce que Sehan fait. Je trouve ça très très cool. À chaque fois, il pousse le football un petit peu plus loin. Moi, je suis un grand fan de football. Mais je trouve que ce que tu fais, c'est le pousser encore plus loin. D'ailleurs, je pense que FIFA aurait dû te donner de l'argent pour Volta. Parce que c'est quand même toi qui a inspiré ce mode. C'est plutôt, ils ont volé mes gestes, mais bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, très heureux de faire cette vidéo. Et on va essayer de relever les défis, tout simplement. Ah, il est chaud, on aime bien. Merci en tout cas pour ces petits messages. Ça fait toujours plaisir. Donc, en gros, là, YouTube, tout simplement, je vais lui donner 3 challenges à faire. S'il les relève, je vous fais un petit cadeau à la fin, très simplement. Donc comptez sur lui, mettez un pouce bleu, c'est parti. Ok la youtubeurs, on est parti pour le premier challenge. Ok, si t'es un urban baller, Kev, c'est très simple, tu dois savoir faire cette figure que tout le monde fait dans le freestyle, c'est le tour du monde. Est-ce que tu la connais? J'ai fait en ce moment le tour du monde avec mon spectacle. Ouais, mais avec le ballon, pas facile. Beaucoup plus simple. C'est rapide, je te montre. Vas-y. T'es prêt? Attention, c'est ça. Vas-y, joue. T'as vu comment il fait? Il en fait 11, l'enfoiré. Juste pour m'humilier, qui sait que je vais pas pouvoir en faire un? Non, je te jure, regarde. On va réussir. Je vais te donner le premier. Vas-y, fais-le d'abord et après, on va essayer de le faire. Et c'est ton premier challenge. Hein. Ok. Pas mal, ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Regarde. Tu vas faire rebondir la balle. Ok. Et tu vas essayer de taper la balle juste à l'extérieur, comme ça. C'est ce que tu vas faire, ouais. Vas-y. C'était pas mal celle-là. Ouais. Là frérot, il y a quelqu'un au-dessus, sa chambre elle a vibré d'un coup, tu vois. Regarde. Tu vas taper avec le petit doigt de pied. Comme ça. Ok, vas-y. Comment c'est dans ça? Voilà, vas-y. Ok. Alors, tu vas faire la même chose, mais tu vas plier ton genou. Regarde. Ton genou, tu vas. D'accord. Ouais. Non, tu vas faire la même chose, mais tu vas aller un tout petit peu plus vite. Ok. Donc tu fais juste ça. Vas-y. Ouais,
C'est hyper dur. Non, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais, ouais. Pense toujours à la première touche. Ouais, ouais, ouais. Et de bien vite ton genou. Ah, c'est pas challenge. Ouais, yeah, 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 yeah. C'est pas mal. On était pas loin. On est à une minute de l'apprentissage, hein, et on est pas loin. Ouais. Je vais te donner un autre. Tu pourras pas faire rebondir la balle, tu vas la mettre sur ton pied directement. Ok. Et tu vas essayer de le faire direct. Ok, vas-y, on essaye. Déjà, moi, elle veut mettre. Regarde, mon pied est dégueulasse. J'ai voilà, des pieds frère, voilà, fuck. Voilà. Ok. Ouais. Et direct, tu pars. Ok. Tu te moques pas, ok? Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Tu pousses le. Putain, je suis nul au foot. Non, ça va. J'ai jamais dit que je suis fort. Il y a un petit flow. Ouais. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un rebond. Mais il y a la forme. Bon, on va être obligé de lui mettre un gage. Vas-y, gage. Ok, Kerala vient de perdre 10 minutes de son spectacle au profit de Saint-Garnier pour la prochaine fois. Allez hop. Vas-y, merci. C'est bon. On passe au deuxième challenge. J'avoue que je t'ai eu pour ce premier, je voulais te faire un peu transpirer, mais t'es un jour, faut t'échauffer. C'est tranquille, franchement pas mal. Ça met à peu près une semaine à l'entraînement. Ah ouais. Tu l'as fait en 2-3 minutes et t'as déjà la forme. Après, je vois déjà les commentaires de ta vidéo. Moi je l'ai fait en 2 heures, c'est qui se bouffon? Non. La YouTube, ce petit pouce bleu pour Kev qui en 2 minutes a quand même pas mal progressé. Je vous rappelle qu'on a un temps limité car son spectacle est juste après. Du coup, on a dû passer au prochain challenge. Mais quand même, il a bien assuré. Et je vous rappelle que le tour du monde est un geste qui n'est pas si facile que ça. Regarde, maintenant le deuxième challenge, il va être très très simple. Combien de temps tu peux tenir contre moi sans prendre de petit coup? Oula, longtemps. Longtemps? Ouais. Allez, Dana. Il me suffit de rester comme ça. T'es sûr? Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux prendre la balle 3 fois? Ouais, je pense. De la prendre, pas la toucher. Hein. Ah, et de la prendre 2. Ok, vas-y, si tu la prends 2 fois, t'as gagné le challenge. Vas-y, c'est bon. C'est bon? À tout ça, YouTubeur, c'est parti pour challenge numéro 2. Let's go. Il y a un petit bon. Ouais c'est vrai. Il y a un petit bon. C'est quoi cette vidéo d'humiliation là? Non. Ça c'était juste pour t'échauffer parce que maintenant on va passer au troisième et dernier challenge. C'est très simple, c'est le challenge du trick shot. Ok. Derrière nous on l'a trouvé. Ok. On va la mettre. On la met ici. Challenge du trick shot, le premier qui la met dans la poubelle a gagné le challenge. Let's go. Tu dois juste tirer. Ouais, j'ai compris. Ça va t'amener hein, parce que... C'est à toi de t'aider du mieux ou pas? Si elle rentre, c'est gagné, hein, même si elle ressort. Oh, presque. S'il gagne ce challenge, il gagne la vidéo. Non, trop fort. Bien géré, c'est vraiment... Qui va y arriver? C'est toi qui va y arriver. Non, c'est le suspense. C'est chaud, non, c'est chaud. Elle est ressortie. La boue est petite, mais il y a moyen. Et comment il a avancé? Il a avancé de dingue. C'est ça, ça va être efficace. Oh non. C'est raté. À moi. On a un timer. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 1 minute. 1 minute, oh là là, c'est chaud. Ouais, avec le rebond. Oh, oh, ça a l'air chiant, mais quand on y arrive, on kiffe de ouf. C'est horrible. Oh, fatigant. C'est bon, ça a été bon. Vas-y. Oh là 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 là. C'est raté. C'est bon. Oh là là. Oh là là là. J'ai cru qu'elle y allait la Sean. Alors il s'appelle pas Sean, c'est important de le préciser. Merci. Eh bien, c'est Anne. Tu vois, lui c'est un vrai. Lui, c'est un vrai. Dis-leur, c'est Anne, comme Océane, le prénom de fille que vous connaissez. D'ailleurs, Océane, on se connaît, je t'embrasse. Et lui, c'est Anne. Et moi aussi, je pensais que c'était Sean Freestyle. Ouais. Du coup, ça nous permet finalement cette vidéo de régler le problème. Merci beaucoup, Anne. C'est Anne. On en a marre. Et moi, c'est Kev. Beaucoup pensent que c'est Kiv, mais c'est Kev. Voilà. C'est Anne et Kev. Qui va avoir le freestyle? Aussi, la là. Putain, c'est hyper dur. Ah, c'est chaud. Oh. Ah, c'est un truc de malade. Ça délire. Normalement, ça va des grandes coupelles, mais à Dubaï, je sais pas ce qu'ils font. Oh, oh, oh. Ça se rapproche, c'est impressionnant. Ça peut y être la victoire de Kev. Oh, oh. Elle est validée, elle est à l'intérieur.
Bon voilà, youtubeurs, c'est la fin de la vidéo. C'est à mon tour. J'ai pas compris que c'était. Allez, dernière question, on sait jamais. Transpirer sa race. Place au spectacle maintenant. Voilà, hein, on va enjoy, comme on dit chez nous. Ah bah voilà, tiens. Sur la religion, sur la politique, non pas que c'est pas des sujets qui m'intéressent, mais parce que j'ai l'impression qu'on est dans un moment, dans un timing où on a besoin d'être ensemble. Donc merci d'être venu si nombreux, merci de m'avoir fait cet honneur. Et puis s'il y a des gens qui ont des rêves dans la salle, peu importe votre âge, par exemple vous avez 7, 77 ans, que vous soyez un petit garçon, une petite fille, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, croyez en vos rêves, et que ça devrait dans la vie. Vous avez des choses que vous voulez réaliser, n'attendez pas demain, faites-le tout de suite. Mon grand-père me répétait souvent ces phrases, il me disait bien sûr que sur le papier ça paraît complètement impossible de faire ce métier, bien sûr que ça paraît complètement improbable, bien sûr qu'il y en a des centaines d'autres qui ont envie de faire ça, peut-être des milliers d'autres, peut-être des millions d'autres, peut-être que tu le feras jamais, peut-être que tu n'y arriveras jamais, mais une chose est sûre, c'est que si toi tu y crois, tout le monde y croira. Alors merci d'y avoir fait. Bon là youtubeurs, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Écoutez, moi j'ai kiffé en tout cas. Merci à toi, franchement. Je vous dis la vérité, moi je fais des shows de freestyle, donc je fais des shows, je connais ce que c'est. Le mec il est à 10 minutes du show et il prend le temps de faire une vidéo. C'est vraiment cool. Faut kiffer. C'est pas tout le monde qui va faire. Donc on a fait un peu avec l'environnement, on s'est un peu débrouillé avec ce qu'il y avait. C'est ça. Vous inquiétez pas, la prochaine fois on fera un petit truc. On va refaire un truc plus large, plus grand. Plus punchy, mais vous inquiétez pas pour ça. Ce que je vais faire, c'est que juste après, je vais faire signer Kev le ballon Urban Ball qu'on va offrir à un des fans qui suit Kev. Peu importe, il me donnera l'adresse, il me donnera le lieu. Tous les deux, comme ça il sera signé par tous les deux. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, je filme sa tête comme ça, vous voyez, c'est le vrai Kev. Tu vois, c'est pas le faux, tu vois, parce qu'après, il va me dire Chan Arnaqueur. En tout cas, la balle est signée. Moi, ta signature à toi. C'est Anne qui la signe également, comme ça vous voyez que c'est lui. Et voilà. Et comme ça, ce ballon est à gagner sur sa page YouTube. Exactement. TMTC. Et voilà, merci à toi, Kev. Franchement, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bisous, les amis. Bisous à CN Freestyle. Merci beaucoup. Et nos passions freestyle. Voilà, YouTube, j'espère que t'as kiffé. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. Dis-moi en commentaire quel autre YouTubeur je dois défier. Et bien sûr, on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Oh my god, j'ai plus de cheveux. Bon voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Je vous refais une outro parce que c'était important pour moi de prendre la parole sur ces points là. Kev Adams nous a gentiment accueilli juste avant son spectacle. On a vraiment filmé la vidéo en 10 minutes top chrono. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment eu le temps, comparé à d'autres vidéos que j'ai pu faire, de faire les tricks jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'il faut être super indulgent par rapport au challenge. Il faut le remercier d'avoir participé et d'avoir joué le jeu. Concernant son spectacle, j'ai pris une claque artistique. J'ai l'habitude de faire des shows dans le monde entier. J'ai l'habitude de me produire. Je suis assez confiant. J'ai toujours confiance en moi, mais quand j'ai vu sa prestation sur scène, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a vraiment donné envie d'aller beaucoup plus loin dans mes shows et dans la façon de faire avec le public. Il est vraiment très fort. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son spectacle ou d'aller voir ses productions. Je vous mets tout dans la description. Et dernier point, je voulais souligner sa disponibilité. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu beaucoup d'artistes, j'ai vu beaucoup de joueurs de foot et c'est pas tout le monde qui est disponible comme ça pour son public. Il reste avec tout le monde, il prend les photos, il est super simple, il fait pas de chichi et c'est super agréable d'avoir un mec comme ça qui est vrai et qui va directement voir les gens sans avoir de prétention ou quoi, et ça m'a fait super plaisir. C'est une belle rencontre, j'ai vraiment kiffé ce mec là et je vous conseille à YouTubeurs d'aller le suivre et d'aller le voir un peu sur ses réseaux sociaux aussi, en lui mettant un petit peu d'énergie, en lui montrant que vous avez vu cette vidéo et mettez lui un petit commentaire, bien joué tes skills d'Urban Ball, ou ouais, j'ai vu la vidéo avec Céane, et comme ça ça lui montrera que vous l'avez suivi et que vous aussi vous l'avez apprécié. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a un petit giveaway. Je l'ai pris juste là, la balle elle est signée par Kev Adams et par moi-même. Pour la gagner c'est très simple, il faut suivre la chaîne YouTube de Kev Adams, suivre la chaîne YouTube de Tonton CN, mettre un commentaire dans les deux chaînes et liker la vidéo et on tirera un mec au sort. Si vous mettez votre Instagram et votre Snap, il y aura aussi sûrement un post sur Insta, donc suivez les Insta et vous pouvez aussi commenter dessus. Ça me permet d'avoir peut-être plus de chances qu'on vous remarque parce que moi je regarde tous les commentaires. Voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, vous mettez un pouce bleu, vous me commentez bien pour gagner ce giveaway dans les commentaires, vous abonnez sur la chaîne de Coachian en cliquant sur le Coachian qui apparaît juste sur la Urban Mall qui est juste là. C'est bon, t'as cliqué, on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Oh my god, j'ai plus de cheveux.